Fait qu'on est parti un matin du petit camping de la famille Murphy en route vers Grand Sault. Vu qu'on redescend à la maison, on a décidé de couper ça en deux. C'est quasiment au moins 12 heures sans arrêt. Ça veut dire qu'en réalité, ça nous prend 14. Vu qu'on perd tout le temps un petit peu de temps pour se mettre du gaz, ramasser un café, se décourdir les jambes. Fait que là, on a stallé à Truro un matin pour se faire une petite sandwich. Puis finalement, on a trouvé notre petit café. Yes. Ça fait du bien. Là, ben Adèle est en train de nous faire des petites sandwichs avec ce qui traîne dans le frigidaire. Puis on va sûrement aller prendre une petite marche là à Truro, au parc Victoria. Il y a un petit ruisseau qui remonte jusqu'à une petite chute. Ça fait qu'on va profiter de ça pour prendre l'air, se rafraîchir un peu. Puis après ça, on repart pour au moins 5-6 heures de char sans arrêt. Fait qu'on va arriver sur l'heure du souper à Grand Sault, puis on va peut-être profiter un peu justement de cette place-là, là, au camping des visiteurs. On est proche d'une chute, fait qu'on va peut-être en profiter pour aller voir ça. Puis après ça, ben, on verra pour la balance pour le lendemain. On vous donnera des nouvelles de ça. Ouais. Ouais, ben, il s'est mis à faire chaud tout à l'heure. On souhaitait un peu de pluie, mais là, ça a viré en orage. En même temps, c'est une bonne idée que je suis allé tinquer en même temps. C'était beau voir le monde courir pour rentrer en dedans. Fait que j'ai eu le temps, en plus, de filmer une coupelle d'éclairs. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Là, nous autres, on est rendus il nous reste encore 2 heures de route à faire avant d'arriver à Grand Sault. Fait qu'on a arrêté pour ramasser un petit peu de stock à grignoter. On déguste ça, puis on passe à la route pour encore 2 heures. Ah ben moi et Adèle, on s'est lancé le défi non officiel de se rendre à la maison à soir. On va en avoir fait au moins 12 à 14 heures de char. Mais on a passé de rien tout à l'heure à Grand Sault. J'ai décidé qu'on essayait de se rendre. On va voir. Mais c'est comme hier avec notre défi de se ramasser un café au Tim Hortons. Ça se peut que ça marche pas. Même on se tient pas rigueur de ça. Je pense pas que. Même si on ne suit pas de défi, il n'y a pas personne qui va mourir au bout de ça. Là. Ça fait que. Mon orgueil non plus, elle n'en sera pas touchée. Fait qu'on va boire du café en masse. On est supposé d'arriver aux alentours de minuit à la maison. Fait qu'on va boire, là, le soleil tranquillement, pas vite, commence à descendre. On va voir comment que ça va me rentrer dans le corps aussi, autant de route. J'ai pas fait ça souvent dans ma vie, mais là, on s'essaye. À un moment donné, tant qu'à rouler, on est tous bien de se donner un petit plaisir d'essayer de relever ce défi-là. Ben, s'il y en a qui se demandent pourquoi que j'ai passé de raide à Grand Sault puis que ça m'a tenté de rouler 12 heures en ligne. On va s'amuser à jouer aux chasseurs d'orage. On avait pogné une belle grosse orage au poste à essence avec des belles éclairs. Puis là, ben, j'en avais vu un autre un petit peu plus loin. Puis c'était un petit peu plus loin que Grand Sault. Ça fait qu'au lieu de virer à Grand Sault comme on aurait dû faire, ben là, moi, je courais après l'orage comme un bon. À part pogner des beaux gros nuages puis un peu de pluie, là, ça n'a pas donné grand-chose. Fait que tant qu'à avoir passé de raide, ben, j'ai décidé de passer de raide pour la peine puis se rendre jusqu'à la maison si je suis capable. Voilà la raison officielle. Ça fait que c'est ça, un petit intermède sur la route. Voilà. Je pense que tu peux couper ça. Tu vas rouler sans arrêt, Adèle? Sans arrêt. Ça, là. T'as rien comme toi. Hein? T'as rien comme quoi? Ouais. Je vais rouler sans arrêt. Ah, ben non. Ça va être long, ça va prendre la batterie. Ah. Au moins, on a un beau coucher de soleil qui s'en vient. Ça va être beau. Le coucher de soleil. Okay, so.
Je sais pas. On est enfin arrêté. Ben, bâtèche. Sors, madame! Hein? Quoi? Sors. Hein? Et on est arrivé. Ah, on est arrivé. Il est minuit et demi. On était supposé d'arriver vers 11h30. Finalement, ça nous a pris juste 1 heure de plus. Mais. On est à maison. Il était temps, ouais. 6 bol. Ça a été d'ouvrage. Mais là, c'est clair qu'on s'en va se coucher. Qu'on va être bien dans notre lit. On est à maison. Oui, on est à maison. On est à maison. Bon, ben, on va se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit.